Bienvenue et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui nous allons parler de mon problème que j'ai eu avec Massilia et Papa la chaîne, dont vous connaissez peut-être. Donc je n'ai jamais parlé de cette histoire et je me dis qu'il était temps d'en parler pour vraiment que des gens sachent les choses. Donc on va remonter un peu dans le temps. Déjà tout commence le 27 août, je pense. Non, c'était le 27 avril 2021 sur Instagram. Et j'avais deux comptes. Donc, c'est-à-dire que j'avais un compte à moi et un autre compte que j'avais fait avec un pote, avec un ami à moi. Donc, je lui propose d'aller regarder le contenu de la chaîne de Massilia. De Massilia, tout simplement. Donc, il a regardé, il commence à. Déjà, il n'a pas aimé. Déjà, son point de vue, il n'a pas aimé. Donc, on a tous le droit de ne pas aimer quelque chose. C'est vraiment... C'est pas grave. On n'aime pas tous tout le monde. On s'aime pas tous. Donc, vraiment, c'était vraiment pas obligé qu'il aime cette chaîne. Mais c'était pas obligé aussi qu'il aille après critiquer. Donc, du coup, il aime pas. Il aime pas. Donc, je lui dis de c'est pas grave, quoi. Tout le monde aime ce qu'il aime. Donc, je lui dis merci de ne pas aller insulter... Toute leur famille et tout, parce que j'ai vraiment pas envie d'être dans la merde, on va dire, parce que le compte était à mon nom, et voilà. Donc je vais vous raconter ensuite. Après, il a commencé à dire des insultes racistes concernant la famille de Massilia. Donc faut savoir qu'ils sont marocains, donc il a eu des insultes racistes que je ne voudrais pas citer, car vraiment c'est insultant et beaucoup de personnes viendront m'insulter parce que vous allez croire que c'est moi, parce que le compte était géré par moi et mon ami, mais bon, vous allez comprendre tout simplement juste après. Après, il m'a laissé sur le compte, genre il m'a laissé vraiment tout seul en gérant le compte comme un abruti, clairement, je vais pas le cacher. Donc du coup, j'en ai parlé à Esteban, le frère de Pink Lily Video. Ensuite, j'en parle à Clément, donc le père de Massilia. Donc c'est tout à fait normal, je voulais en parler. Je lui ai envoyé les screens des insultes. Donc moi, je savais que c'était mon compte, mais je voulais lui dire que c'était un ami à moi et qu'il fallait à tout prix vraiment le bannir, enfin le faire quelque chose contre lui. Donc Clément décide de prendre l'adresse IP du compte pour aller porter plainte. Le compte était à mon prénom et mon nom. Donc du coup, forcément, Clément a cru que c'était moi. Donc il a commencé à m'insulter que c'est... Voilà, enfin c'est... Il a commencé à m'insulter, croyant que toutes les insultes qui ont été citées, que c'était par moi, que ce que j'avais dit. Donc, si Clément, tu vois cette vidéo, vraiment, je m'en excuse. Je referai plus de comptes avec mes amis. Donc, les gars, faites attention avec toutes les personnes que vous voyez dans votre vie, car j'ai reçu tant de critiques et tant d'insultes de la part des abonnés de Massilia. Car il m'avait tout simplement signalé en story juste après l'histoire. Et ensuite, il m'avait bloqué, que ce soit sur le compte Instagram de Massilia et Papa et le compte Mascam TV de la mère. J'ai voulu tout expliquer, mais il m'avait bloqué instantanément. Après, j'ai expliqué ça à Esteban. Esteban, je comprends que tu m'aies pas cru. Ça, je peux le comprendre. Donc... faites attention à tous, faites par confiance à tout le monde là les gars. Donc merci à vous d'avoir visionné la vidéo et merci de la partager comme ça Clément pourra la voir. Et ça me ferait plaisir parce que vraiment les gars, ça c'est une chose qui me tient à cœur et que j'ai été banni. J'étais modérateur, gérant de tout, j'avais fait un serveur Discord, je voulais vraiment faire plaisir à la communauté de Massilia et Papa. Mais j'ai été bloqué pour un mec tout simplement qui était un ami à moi, que je ne suis plus ami avec lui car il a fait plusieurs choses que je n'aimais vraiment pas. Je vous ferai une vidéo en détail tout simplement plus tard. Cette vidéo, je devais vraiment la sortir vraiment avant parce que je devais la sortir avant pour que Clément comprenne, et je pense que là il ne va pas comprendre
Je pense pas qu'il va comprendre, il va croire tout simplement que je mens. Je. Voilà, donc déjà, cette vidéo sort, elle devait sortir avant. Mais j'ai eu quelques soucis par rapport au montage, etc. Donc merci à vous d'avoir visionné la vidéo. On va se quitter en tout cas, les amis. Mets like et partage pour que Clément voit. Donc Clément, c'est le père de ma Sylvia. Et en tout cas, si Clément me croit pas, c'est absolument pas grave. Je ferai une vidéo plus en détail. Donc merci d'avoir visionné. Regarde une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et on se dit à la prochaine. Tchuss les gars.